Plusieurs personnes seraient mortes après l'explosion d'un camion minier, ce jeudi 20 janvier 2022, dans une ville située au sud-ouest du Ghana. Le nombre exact de morts n'est pas encore connu. L'Organisation nationale de gestion des catastrophes dans le pays, a déclaré que les premiers rapports indiquaient qu'au moins 50 personnes étaient mortes et 50 autres étaient blessées dans l'explosion dans la petite ville d'Apiat, près de la ville minière de Bogozo, dans le sud-ouest du pays. La police a déclaré dans un communiqué qu'un véhicule explosif minier se déplaçait entre les mines d'or de Tarquois et de Xirano lorsqu'il est entré en collision avec une moto, ce qui a provoqué l'explosion. D'après la police, la plupart des victimes ont été secourues et admises dans les hôpitaux. Il a été conseillé au public de quitter la zone pour se rendre dans les villes voisines pour sa sécurité pendant que les efforts de récupération sont en cours, a ajouté la police. Le président Nana Akufo-Addo a présenté ses condoléances aux victimes, décrivant l'explosion comme un incident vraiment triste, malheureux et tragique. Il a ajouté que le personnel d'urgence tentait de contenir l'incident et de fournir un secours rapide aux habitants car le gouvernement n'épargnerait aucun effort pour assurer un retour rapide à une situation normale pour les habitants d'Apiat.